Eh bien, bonjour à tous, c'est BFRX et aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentary sur le gameplay de Benji du 6280. Donc durant cette partie, il était avec Julien62, comme il m'a gentiment demandé de le présenter. Et donc il va jouer avec sa MP7, il va faire un très bon score en recherche et destruction. Donc il va déjà nous jouer avec sa petite MP7 silencieuse, il va déjà faire un kill ici. Ensuite il va se balader un petit peu dans la map, il campe pas du tout là franchement. Donc, normalement il va faire encore un petit kill juste en haut des escaliers. Ouais non en fait. Ah voilà, j'ai juste derrière. Donc là il a débloqué son petit tour de passe-passe pro, il continue dans la map. Il rush pendant cette partie. Il n'a pas du tout campé, ça je l'ai vérifié. Et ce serait pas son style de camper quand même. Normalement il va faire un deuxième. Donc là, petit coup de stress parce que l'ennemi descend. Il remonte, petit lancer de C4, loupé, dommage. Il va redescendre, il va le retrouver juste après. Donc là il avait posé son radar. Et donc grâce à son radar il l'a trouvé. Va faire le tour de la map, cours, monter les escaliers, il le tue. C'est un petit clip. Continue dans toute la map, il se dit pourquoi pas me faire le petit dernier, et bim, dommage. Il se prend un petit coup de S50. Donc là, on va un peu accélérer le clip. Parce que là, c'est pas intéressant, on va juste voir un de ses coéquipiers faire un kill. Tac, petite avancée, cela n'est pas très intéressant. Voilà. Il fait le petit clip. Et là, il va changer d'arme pour nous prendre sa petite P90. Un peu trop avancé le clip, voilà, doucement. Il va nous prendre donc sa P90. Va encore aller en dessous. Franchement, cette map-là, je l'aime pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'apparemment, rechercher destruction, en se baladant, on va dire, sous les ponts, excusez-moi de cette petite phrase, on peut quand même faire une bonne partie. Donc moi personnellement, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à Modern 3, ça va faire 3-4 mois, ouais peut-être. Donc là il nous refait un petit kill, donc là un deuxième kill. Il a eu très chaud sur ce coup, heureusement que l'ennemi lui a tapé un hitmarker. Donc là il a refait petit kill, il va un peu rester ici le temps que ça se calme. L'ennemi a posé la bombe, donc fonce. Il va foncer, il voit un ennemi ici, tac, il le tue. Troisième kill de la manche, et bombe désamorcée par un de ses alliés. Donc, il nous fait déjà quand même du 4-1, ce qui est plutôt pas mal. 4 ou 5-1, excusez-moi, je crois plutôt 5. Il va normalement, si mes souvenirs sont bons, repasser sous le pont. Voilà, c'est vraiment un bon endroit, faudrait que je le réessaye. Donc pour en revenir donc au clip, plutôt bonne partie pour l'instant, mort une seule fois, malheureusement pas un tir de AS50, un très bon sniper apparemment. Il va nous refaire un petit kill, il débloque son visée solide pro. Il se balade dans la map, ennemi, il le tue. Cinquième kill, donc voilà, cinquième kill. Et là, il a eu hyper chaud. Franchement, durant cette partie, il a eu énormément de chance sur les snipers et sur les joueurs. Donc là, il a fait son kill pour débloquer indétectable, sans pro, normal. Et alors là, petit ennemi qui remonte, petit flip à cause de son pote qui était juste devant lui. Donc il va encore se balader un peu dans la map, il reste 1 minute 25 avant la fin de la partie. Et donc cette fois-ci, j'avais fait mon premier commentary avec un câble HDMI. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, un câble HDMI sert à avoir une meilleure qualité sur votre PC. Bon, je vais pas non plus vous mettre un cours de technique, mais cela franchement vous fait une image magnifique, et je le remarque surtout sur Battlefield 3 et Modern 2, c'est beaucoup plus beau, surtout BF3. Donc là les ennemis ont amorcé la bombe, il reste deux ennemis. Grâce à son petit radar, il va sans doute nous les avoir. Donc il commence à para, sa foire, deuxième para qui rate pas, excusez-moi. Il lance de C4, un kill.
l'ennemi juste derrière, et là, il a eu très chaud, et malheureusement, il se fait tuer. Dommage, Benji, il aurait pu le mettre. Et toujours la F50, hein. Franchement, un bon sniper. Hein. Je l'ai jamais testé, mais un joli Titanic de l'ennemi aussi. Je l'ai jamais testé, mais franchement, faudrait que je le teste un jour. Et aussi, donc, je vais vous dire que bientôt, je vais poster donc mon deuxième, excusez-moi, top 10 trickshot. Donc, j'ai déjà eu beaucoup de clips intéressants. Et pour le dernier top 10, j'avais dit que je mettrais dans la description l'adresse email où vous pourrez m'envoyer vos clips. J'ai eu un problème avec cette adresse email là et donc du coup j'ai dû la supprimer. Enfin, ça a été un petit travail un peu embêtant vu que j'avais commencé à avoir quelques clips dessus, je l'ai perdu malheureusement, il y a eu un problème. Donc à la place, donc je vous en mettrai une autre dans la description, cette fois-ci elle sera valide, pour m'envoyer vos clips. Et mon prochain top 10, je pense que ce sera un top 10 spécial réaction. Donc envoyez-moi vos clips à l'adresse que je mettrai dans la description de mon prochain top 10 qui sera uploadé, je pense, ce week-end. Donc là, le petit ennemi qui l'avait pas vu et qui du coup a Marcelamon, c'est drôle. Malheureusement, il a failli se faire tuer. Donc là, le petit ennemi qui le flash, c'est toujours rageant de se faire flasher comme ça. Il voit l'ennemi qui passe là. Et l'autre côté, et bim, il le tue. Et hop, il tue son deuxième. Il redébloque Visée Solide Pro. Et là, magnifique petite série de trois personnes. Rechercher destruction, je précise donc. Et malheureusement, se fait tuer par une G36C. Ce qui est assez dommage. Donc là, l'ennemi désamorce sa bombe. Donc là, troisième. Donc là, excusez-moi, il y a deux partout. Il nous fait quand même un très bon score de. Alors je crois 12-2, 12-2 ou 12-3, je sais plus trop. Ou 11, je sais plus trop, excusez-moi. Et donc il va continuer dans le petit souterrain qui est franchement une bonne planque. Je me répète, je sais, mais bon. Ceci n'est pas très grave. Donc il va rusher encore une fois avec sa P90, une arme franchement que je conseille à tous les joueurs de Modern 3 parce qu'elle est vraiment vraiment puissante, même un peu abusée je trouve quand même. C'est une quand même pour une P90 un peu joli petit kill au passage. Elle tue en, je crois que c'est 7-8 balles, un truc comme ça. Et donc je ferai aussi une vidéo donc dans 1 ou 2 semaines en compagnie de Kant, en Kant du 51 alias Quentin, sera plus simple pour lui. Donc jolie petite killcam. Et donc je ferai un... Et donc oui, excusez-moi pour cette petite absence. Donc oui, ce que j'avais dit, c'est que du coup je vais faire justement une vidéo avec lui, avec Quentin, où nous allons donc essayer de faire plusieurs parties de recherche et destruction sur Modern Warfare 2. Et en faisant rager le maximum de personnes, en jouant le plus noob possible. Je pense appeler donc cette vidéo Petit défi noob, un truc du style, ça pourrait être sympa. Et donc je ferai avec Quentin donc dans 1 ou 2 semaines, je vous l'ai dit. Et donc pour en revenir au gameplay, il en est donc à la dernière manche sur Downturn. Donc il nous refait un kill, un SAP90, et malheureusement se fait tuer par derrière. Donc là je vais un petit peu accélérer la vidéo. Donc c'est assez dommage, il faisait une belle série. Pas de chance pour lui. Et donc je le remercie donc pour son. Donc il y a encore une manche. Mais je le remercie déjà pour son clip. Que franchement il avait été. Il était sympa donc de me donner gentiment son clip. Donc je le remercie. Et donc je peux aussi donc dire que de ce clip qu'il est plutôt pas mal. Étant donné que moi, ne jouant plus à Modern 3, j'ai. Vu que la communauté m'a énormément dégoûté, bon bref, je vais revenir dessus, j'avais déjà fait une vidéo qui expliquait tout ça, donc un petit ami qui campait, il le tue, et malheureusement se fait tuer. Et donc voilà, là c'est la. Je vais accélérer jusqu'à la fin de la vidéo. Mais donc ce clip est terminé. Donc il nous a fait une jolie petite partie, surtout en R&D, c'est pas vraiment la meilleure partie. Les meilleures revanches, et du coup, il va nous faire quand même un. Donc, il va passer son petit level.
petite anecdote. Et va rester quand même sur un score de 19,5. Franchement, pour la R&D, je trouve ça plutôt pas mal. Et bon, ben, salut à tous, et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Au revoir!